Au final, la personne qui est aux commandes de ta vie, c'est toi et toi seul. C'est toi seul qui as la responsabilité personnelle d'encaisser les gains et d'encaisser aussi parfois les leçons, les pertes, pour au final piloter au mieux cette sixième étape. Piloter au mieux, et comme toute chose qui se pilote, mais il va falloir que tu trouves un certain équilibre. Un équilibre qui va se trouver grâce à un mélange très subtil d'art, de science, d'expérience, de technique aussi. Et en fait, pour pouvoir réussir efficacement à piloter cette sixième étape, je voudrais te proposer un fil conducteur. Un fil conducteur qui va commencer tout d'abord par observer et analyser les résultats que tu vas obtenir. Ensuite, on l'a vu, tu vas apprendre les leçons de ces résultats. Que ce soit quelque chose de positif pour toi ou quelque chose de moins positif, voire de négatif, tu vas en apprendre, en créer un apprentissage. Troisième chose, tu vas faire évoluer ta démarche. Et ça, c'est très important. Tu as un résultat. Soit ce que tu as fait, ça ne marche pas et donc tu fais autre chose pour avoir d'autres résultats. Ou soit la chose que tu as fait, tu n'as pas amené le résultat, mais c'est la bonne chose à faire. C'est juste pas la bonne manière de la faire. Donc, soit tu changes les choses que tu fais, ou soit tu changes la manière dont tu fais les choses actuellement. Mais en tout cas, fais évoluer ton approche pour ajuster tes résultats. Ensuite, ben, tu auras forcément des situations nouvelles, des situations, peut-être des challenges nouveaux. Il va falloir conquérir une adaptabilité à ces situations. Adapte-toi en permanence aux situations et aux challenges que tu vas rencontrer. Ensuite, il va falloir, ben, valoriser ce qui marche. C'est-à-dire que certaines des actions que tu vas entreprendre vont t'apporter des résultats positifs. Valorise-les, pardon, amplifie-les. Sois ouvert et flexible en permanence pour pouvoir justement être réactif aux résultats, réactif aux situations et surtout amplifie le process. Amplifie le process dans le sens où, ça y est, c'est parti, t'as passé à l'action, tu as des résultats et tu ajustes en permanence ton process. Amplifie tout ça pour avoir de plus en plus d'actions, de plus en plus de démarches, de plus en plus de résultats et bien sûr des actions que tu vas enclencher de manière beaucoup plus quantitative, mais aussi et surtout beaucoup plus qualitative. Et ce fil conducteur, ce process, il faudra le faire encore, encore et encore et encore. Parce que si tu fais des actions et qu'à chaque fois tu en tires les leçons et tu améliores ton comportement, tu améliores tes démarches, tu améliores tes actions, pour avoir des meilleurs résultats à chaque fois, pour te tendre vers la solution à ton problème, mais tôt ou tard, tu vas y arriver. Donc apprends tes erreurs, change ton approche et recommence avec détermination. Recommence inlassablement à enclencher de l'action de manière massive.